Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. J'ai vu que beaucoup d'entre vous utilisent l'application ou bien tout simplement le Media Center Kodi. Donc ce que je vous conseille mes amis, c'est de mettre à jour votre Kodi et de faire l'installation de la dernière version Kodi 21 Omega. Une fois que vous avez installé cette nouvelle version, je vais vous donner une astuce pour avoir accès à beaucoup de contenu, car parmi vous, il y a ceux qui nous ont demandé du contenu en français. Donc, on va vous donner une source qui est vraiment très connue et beaucoup d'entre vous peut-être l'utilisent actuellement. Mais quand même, on va vous donner cette source-là. Peut-être parmi vous, il y a ceux qui l'ignorent ou la connaissent pas du tout. Donc, mes amis, dans ce tutoriel aujourd'hui, on va vous montrer comment configurer Kodi tout simplement et facilement et avoir accès à votre contenu et en profiter pleinement. Donc, si vous souhaitez en savoir les étapes à suivre, restez avec nous. On vous revient juste après. Donc, mes amis, une fois que vous avez installé Kodi sur votre appareil de choix, que ce soit une Android TV, une Fire TV ou bien tout simplement votre PC Windows, donc vous allez ouvrir l'application Kodi. Donc pour la première fois, il va commencer à préparer pour la première utilisation. Donc il va télécharger tous les composants et tout ce qu'il en a besoin pour démarrer, comme vous le voyez, Kodi 21 Omega. Donc ça, c'est l'interface une fois que vous avez lancé votre Multimedia Center. Ensuite, vous allez dans la rondelle qui se trouve ici, c'est les paramètres. Vous cliquez dessus, File Manager. C'est là que tout va se passer, mes amis. Vous cliquez sur File Manager, une fenêtre va s'ouvrir et vous cliquez sur Add Source. Vous cliquez sur Add Source, ensuite vous cliquez sur OK et là vous allez inscrire le lien que je vais vous donner et faites attention à ne pas manquer une lettre ou un chiffre ou un symbole et d'écrire la même chose. Donc, c'est HTTP. Donc, on va écrire le lien S. Pour ceux qui ne savent pas où trouver les deux points, il faut juste activer la majuscule ici. Et puis, vous allez trouver vos deux points ici, comme vous le voyez. C'est simple. Ensuite, on va continuer la configuration de la source. Une fois que vous avez vérifié que tout est bon au niveau de ce que vous avez écrit, vous cliquez sur OK. Et comme vous le voyez, ça va vous entrer le nom directement. Donc, vous cliquez directement sur OK. Et comme vous le voyez, il m'a ajouté le repo ici. Une fois que cette manipulation a été effectuée avec succès, vous allez retourner en arrière et vous allez dans Add-on. Ensuite, Install from Zip file. Ensuite, vous allez sélectionner la source que vous avez ajoutée. Donc, on clique sur la source et puis, comme vous le voyez ici, vous choisissez la première ligne, vous cliquez sur OK et vous attendez, comme vous le voyez, Add-on Update. Donc, tout a été mis à jour. Une fois que tout a été mis à jour, vous allez vous rendre dans Install from Repository. Ensuite, vous allez tout simplement installer le repo en question, donc Video Add-on XBMC. Et comme vous le voyez, moi je l'ai déjà installé, donc vous voyez une install, mais vous, dans votre cas, vous allez avoir install. Une fois que vous l'avez installé, n'oubliez pas d'activer Auto Update pour que les mises à jour se feront automatiquement dès que le repo il y a du nouveau qui a été ajouté. Donc, une fois que vous avez fait cette manipulation, vous retournez tout en arrière et vous allez trouver votre repo bel et bien dans les add-ons. Donc, comme vous le voyez, dans les add-ons, et comme vous le voyez, votre contenu va être affiché ici. Maintenant, vous pourrez bien sûr découvrir tout ce qui est à l'intérieur et en profiter au maximum. Donc, mes amis, tout ce que j'aimerais savoir, c'est que vous nous mettez dans un commentaire si vous avez bel et bien réussi à faire la configuration de votre Kodi 21 Omega. Et bien sûr, est-ce que le contenu qui se trouve dans
cette source vous plaise ou non. Autrement, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un like et de partager la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et au plaisir de vous revoir.